Salut gars, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle présentation avec Nathan ici présent. Salut les gars. Donc une bonne 7 GTI Club Sport. Donc d'ailleurs frérot, tu m'as expliqué juste tout à l'heure, là on était en train de parler, je vous cache pas. Et alors tu m'as expliqué un peu les petites différences qu'il y a par rapport à une 7 normale on va dire. Ouais. Et la Club Sport. Donc il y a le turbo que tu m'as dit. Il y a le turbo de l'arrière en fait. Ok. Ils ont changé le pare-choc ici. Ouais, on va vous montrer ça tout à l'heure dans les détails. Ils ont mis un becquet, ils ont changé le diffuseur. Et voilà, hein, tout ce qu'il y a de... en gros, à l'extérieur, c'est la grosse différence. Ok, et puis donc, c'est le turbo qui fait quel sort plus de chevaux qu'une 7 GTI d'origine. À 265 chevaux. Ouais. Et à partir de la 3ème, il y a un overboost à 290 chevaux. Et à partir de la 3ème, tu décolles. Ouais. Tu mets les ailes. Ah ouais, ça patine. C'est ça qui est dommage, les gars, sur les 7 GTI. Mais voilà, en plus, Club Sport, d'un côté, ce qui est bien, c'est que voilà, on va dire que ça reste quand même une. C'est rare quoi. Ouais, c'est limité, un exemplaire limité. Il y en a 200 en France vendus. Ouais. En Belgique, j'ai pas les chiffres. Bah ouais, de toute façon, elles sont assez exclusives quoi. Et tu penses que niveau cote par exemple, ça tient pas mal ou... Ça décote beaucoup moins par exemple qu'une TCR. Hein. La TCR, elle a pris une de ses décotes. Ah, moi j'avais regardé. Ah, moi j'avais regardé. Hein. Ça décote beaucoup moins que la TCR. Ah, allez, moi justement, je me disais, enfin la TCR, en plus elle est magnifique, mais je me disais que genre ça gardait bien la cote, tu vois. Vu que c'était aussi vendu en nombre. Ouais, mais j'ai regardé, franchement, elle a bien décoté. Alors que celle-là, elle a moins décoté. Donc... Ouais, les gars, prenez une Club Sport alors. C'est surtout que TCR, tu peux pas les avoir en utilitaire. Alors que celle-là, elle est en utilitaire, tu vois. Ah, ok. Celle-là, tu l'as passée en utilitaire? Non, moi je l'ai acheté. Ah, ok, d'accord. TCR, et pourquoi tu peux pas. Ils ont changé les lois et TCR, c'est à partir de 2019, je pense. Et ils ont changé les lois en 2018. Ouais. Donc, c'est une des dernières. Moi, c'est mi-2017. C'est vraiment une des dernières que j'avais fait. Ah ouais, ça c'est intéressant. En utilitaire, parce que ouais. 4500 la taxe là. Maintenant, si tu matricules, 4500. Sur la TCR ou sur. Non, c'est ça là. Hein. TCR, c'est encore plus cher. Ouais. Donc voilà, okay. D'ailleurs, les gars, pour ceux qui ne savent pas, donc justement, utilitaire, c'est pour. Allez. En fait, derrière toute la banquette arrière, bah, tu la retires. Donc ça te fait un plancher tout plat, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et alors, justement, tu es enfin, il n'y a que deux places et donc logiquement tu payes beaucoup moins cher au niveau des taxes. Donc il y en a, ils tournent à des 100 et quelques. Hein. Ouais, 85 même. Hein. Ouais. T'es considéré comme camionnette en fait. Mais c'est qu'en Belgique, hein. En France, ils font pas ça. Donc okay. Les gars, venant en Belgique, comme ça on est bien. Mais sérieux, parce qu'en plus il y avait un, je lui avais parlé, il avait une RS6, il avait passé en utilitaire et il m'avait dit il payait, je crois, 140. Hein. Mais RS6, tu peux encore, je pense. Mais ils ont changé la loi comparé à. Enfin, pour l'ouverture de coffre, mais je sais pas trop. Ouais. Mais en gros, les petites citadines comme ça, tu peux plus. Mais les grosses voitures encore, ouais. Je pense que tu peux encore. Ouais, RS6, après ça reste un gros break. Donc, ouais, voilà. Pas pareil, là les petites citadines, c'est un peu différent. Bon les gars, je vais quand même vous présenter, on a un peu discuté là. Bon, les gars, la voici. Donc elle est toute blanche, c'est une config. Donc trois portes, ça c'était un choix de papa ou c'est juste parce que voilà, t'es tombé sur celle-ci, Club Sport. Je préférais en trois portes, franchement. Surtout que j'avais pas les sièges à l'arrière, donc ça servait à rien d'avoir cinq portes, tu vois. Ok. Mais là, dans tous les cas, t'as quand même toutes tes places. Hein. Ouais. Tu l'as pas passé en utilitaire. Je peux, toi, je peux tu... la repasser, hein, y a pas de soucis. Ça, j'ai les banquettes arrière, elles sont chez moi. Ah ok. Faut que j'aille chez Dieterren et je fais la matriculation et c'est bon. Ils font ça directement, donc je peux ouvrir comme ça, on peut ouvrir le coffre, comme ça on monte direct. Donc voilà les gars, c'est comme ça. T'as cru que tu l'as accroché. Ah sinon laisse tomber quand t'as un coffre comme ça, tout part. C'est plutôt quand t'as une bonne conduite, non? Qu'il faut accrocher. Bah les gars, je vais vous montrer. Vous voyez, comme ça, ben, ça libère un peu plus de place, on va dire. Mais en plus, bon frérot... toi, t'es jeune, frérot, t'as pas besoin de toutes les places en même temps. Ouais, bah voilà, franchement, non. Tu te fais plaisir, t'as pas d'enfant, j'ai voilà. Tu prends ta petite copine à côté, c'est bon, ça suffit. Plusieurs. Regardez, les gars, donc ici, donc, comme on avait parlé tout à l'heure, donc il y a ça aussi, au niveau de la TCR, qui est en plus. Ah, et il est vraiment. Ouais, il est plus. On va dire, c'est bien prononcé, tu vois. Sur la 7 GTI de base, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est dommage, regardez, je vais vous montrer. Même sur la TCR, il n'y en a pas. Pas de conneries sur la TCR, il n'y en a pas non plus. L'arrière. Le diffuseur a été changé. Ouais. Tu l'as changé le diffuseur? Non, le diffuseur, c'est pas le même de la 7 GTI. Ouais, ça, okay. C'est d'origine. Ok. La voiture est toute d'origine quasiment. Et sur la TCR, il me semble qu'il est aussi fort prononcé. Il est plus prononcé encore, ouais. Il est beaucoup plus prononcé ici. Ouais, c'est vrai que sur la TCR, moi j'avais vraiment kiffé le diffuseur en bas. Je vais essayer de vous montrer ici de l'arrière. Regardez comment ça donne. Ouais, c'est GTI, il y en a quand même pas mal. Et alors. Par exemple, imaginons que tu l'aurais pris allez, avec tes 5 places, là tu aurais dû vraiment toi-même faire la reconversion en utilitaire. Tu peux plus, hein. Ouais, tu m'as dit, ouais, la loi. Ta frérot, je suis fatigué.
Hier, on va pas dire ce qui se passait, mais bon, hier c'était assez. Il y a eu des dingueries. Il y a eu des dingueries, il était là. On va pas parler. Il y a eu des bails. Faut voir sur mon Insta, les gars. Vous, c'est pas tout ça, là, je suis KO. Mais bon, regardez-moi ça, les gars. Même alors, tu m'as dit aussi le pare-choc avant. Ouais. Chaque avant, il est différent de la, de la GT, de la TCR. Hein. Donc, vous voyez ici, donc, il y a les, ça c'est, on va dire. C'est pour l'aérodynamisme. Ici, il y a les entrées d'air. Là, les entrées d'air, juste là. Ici, en plus, tu as le. Allez. Ça, ça te dérange pas, frère, parce qu'il y en a qui disent que. Ah, la CC, c'est pour le régulateur. Mais c'est truc genre. Quand tu colles, bah, ça freine, non? Ouais, voilà, exactement. Quand je mets le régulateur. Mais tu peux désactiver ça dans tous les cas, non? Ouais, tu peux désactiver, mais moi. Je préférais l'avoir, tu vois, c'est un peu plus confort quand tu fais un peu de route. Ouais, ouais, ça, c'est vrai. Des fois, t'as envie de. T'as pas envie de taper, tu vois. Pas envie de bombarder les 121 sur l'autoroute. Ouais, 100, 120, t'as envie d'être tranquille, tu mets régulateur, tu mets ça, t'es tranquille, tu touches à rien, ça freine tout seul. Toujours 120 121. Putain, ça c'est beau la vérité, ils ont bien fait ça. Et alors frérot, toi par exemple, allez, tu voulais partir sur une 7 GTI, donc c'était soit un club sport, soit une TCR. Ouais, voilà. Je pensais pas par exemple à d'autres, par exemple chez Audi ou bien chez Mercedes. J'aime bien RS3, j'aime bien la 45, mais c'était un peu plus cher. Ouais. On va dire que faut d'abord que je commence par un truc un peu plus soft, tu vois. Plus, ouais, okay, que plus taper dans les 400 chevaux. Ouais, bien sûr. Directement, tu vois. Mais même avec ça, tu t'amuses. Hein, faut aller crescendo, tu vois. Faut pas commencer à taper. Ouais. Mais ça, c'est déjà très bien. En plus, GTI, c'est quand même c'est un incontournable, tu vois, dans les sportifs. Bien sûr, bien sûr. Ben, y en a beaucoup qui commencent avec une 7 GTI. Enfin, pas obligé une 7, mais je veux dire, les GTI, Volkswagen, il y en a beaucoup qui commencent par ça. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé sur une GTI qui sont maintenant dans des RS6 ou quoi, mais bah ouais, voilà. Mais franchement, j'avais vraiment envie d'en avoir une. Donc là, vous voyez les gars, ça aussi c'est en noir. Ça, tout ça c'est d'origine. Ouais, hein, donc. Tout est d'origine. La seule chose que j'ai changé esthétiquement, c'est j'ai mis des paupières de phare. Ah ouais, ça c'est la seule chose esthétique que j'ai mis. C'est vrai que ça donne bien. Il n'y a rien qui a été modifié. C'est vrai que ça donne bien. Donc vous voyez ici avec le noir, la vérité ça donne bien. Et le blanc, ça match bien. Même là, je vois que tu as un toit ouvrant. Et alors ici, c'était d'origine aussi, voilà, c'était déjà repeint. Mais ça c'est une option. Hein. Ouais. Pour l'avoir en couleur noire, c'est une option. Ok, bah ça c'est parfait, ça c'est beau ça. Et il y a les phares arrière de la R. Ouais. Les phares arrière de la R, c'est la petite. Les gars, si vous voulez ajouter sur son Instagram, d'ailleurs c'est ici. Il attend 7 GTI. Et d'ailleurs, frérot, je vais juste te montrer. Regardez, vu que c'est un club sport, ben, ils ont rempli les options, non? On va dire que l'intérieur il change quand même un petit peu. Ici on voit donc il y a Alcantara, cuir. Ici c'est un. Allez, c'est du piano black avec un petit effet quoi. Ici on a le rappel GTI les gars. Ouais. T'as frérot, elle sent bon. Hein. Ici aussi donc il y a. Allez, on va dire que c'est de l'Alcantara. T'as, par contre l'arrière c'est insolent, toute la place que t'as. Ça aussi, ça c'est d'origine? Ouais, tout est d'origine. Ah, ça c'est beau ça. Ils ont mis un volant Alcantara. Ça c'est bon. Juste mettre comme ça, je fais le vide. Ici, tout ce qui est comme ça, piano black, c'est sur la Club Sport. Aussi. Sur la GTI, c'est différent. C'est un genre de gris carbone. Putain, frérot, c'est vrai que. Ah, il est beau le volant. Puis t'as ajouté les petites. Ils ont mis d'Alcantara aussi. Ouais, ici aussi, c'est d'Alcantara. Vraiment bien, bien optionné, frérot. C'est là que tu ressens. Ouais, on entend quand même. Et alors, la ligne a été d'origine, ça? Ouais, elle est d'origine, juste j'ai retiré l'intermédiaire, c'est tout. J'ai retiré son intermédiaire. Ok, d'accord, on va poursuivre toujours tout droit. Suppression d'intermédiaire, et alors, au début, c'était un peu plus étouffé, j'imagine. Ouais, voilà. Ouais, lui, un peu. Tu l'as impressionné, frérot. Il a vu la 7 dans le rétro, il s'est dit merde. Vas-y, là, ça va résonner un peu plus. T'étais trop chaud, frère. On va sortir. Ah non, c'est la suivante qu'on va sortir. Non, frère, j'aime plus où on est, déjà que je suis fatigué. Je pense que j'ai vraiment senti la différence avec quand
le, comme tu as dit, le Vorgos des charges. Opportunité de voir. Je disais, j'ai vraiment senti que quand l'overboost il a chargé. Hein. Ouais, on le sent. C'est une dinguerie en vrai. Hein. Donc 265, à peu près 290 quand ça charge. On va prendre le rond-point et après on va monter ici à gauche. 290 quand ça charge. À gauche ici. Ouais, prends le rond-point et après on va monter là-bas. T'as les gars, sincèrement, c'est bien amusant. Hein. Enfin, je veux dire, t'as très bien fait pour une première voiture, sincèrement. Ouais, ouais, t'as bien fait pour une première voiture, donc juste ici. Et après, j'aimerais bien un stage 2. Mais le stage 2, on est il y a trop de plages en fait. J'aimerais bien faire un stage 2 en été. Tout à l'heure, avec le confinement, avec un couvre-feu et tout, franchement, l'hiver et tout, franchement, je me suis un peu désisté. Je voulais faire maintenant, mais après, je me suis dit, laisse tomber. Stage 2, on est à 400 chevaux, donc je vais mettre un downpipe et 2-3 petites pièces. Ouais, 400 et c'est safe, ça reste. Ouais, parce que c'est complètement tout turbo d'air, le moteur boîte de l'air, donc enfin, c'est comme si t'avais une air en fait. Bien sûr. Moi, ouais. J'irai pas au-dessus parce que traction pour patiner. De droit. Ouais, moi, c'est ça le seul détail que, enfin, que je t'avais dit tout à l'heure. Ouais, déjà 400, c'est très bien. Ça va bien patiner. C'est déjà pas. T'as frérot le radar, tu la chopes, enfin, de ton téléphone, tu la chopes, on voit que tu n'es pas là. Et frérot, t'es de Charleroi, c'est ça? Ouais, c'est ça. T'es pas trop habitué ici à la circulation et tout. Non, moi j'aime pas Bruxelles. Ouais, c'est vrai que. Ceux qui viennent de Charleroi et tout, enfin, je vois que là-bas vous faites plaisir autrement. Et je vois que la plupart, ouais, vous aimez pas trop Bruxelles. Hein. Non. Vous êtes fort. Vous vous sentez bridé ici. Vous pouvez pas vous livrer à fond quoi. Franchement, je sais pas, mais à Bruxelles, il y a trop de radars déjà. Ouais. Il y a trop de gens, ils font n'importe quoi sur la route. Ouais, comment ils roulent et tout ça. Ouais, non, c'est abusé. Ici, c'est abusé ici. Hein. Donc, je vais tout droit. Il tape un bon pouce, il a aimé. T'as frérot, quand elle charge, c'est un vrai délire. Putain, mais le son est trop fort. Ouais. Ah, vous inquiétez pas, les gars. Ouais, c'est une petite notification, il a reçu un message. Ouais, mais c'est juste pour s'il y a un pneu sur la route ou une voiture arrêtée, c'est voilà. C'est pas pour les radars. Vous inquiétez même pas. De toute façon, vous voyez, tout est enregistré. On va continuer encore tout droit, frérot. Il y a pas tout ça à Charleroi. Ouais, les vélos et tout. C'est bien, frérot, parce que chez nous, c'est des bons et c'est des écolos, tu vois. Ouais, on entend des retours. Ouais, de l'extérieur on l'entend beaucoup mieux. Parce que il y a des voitures, tu sais que de l'extérieur t'entends mieux, juste l'intérieur c'est sonorisé. Ouais. T'as frérot, par contre j'ai vraiment aimé le volant, il était vraiment bien. En plus maintenant en ce moment il y a tout le monde qui les met en Alcantara et tout. Ouais, en plus c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui mettent des gros volants et tout, et des tickets de chaque en Alcantara. Ça va, moi c'est d'origine, j'ai pas dû me casser la tête. Mais à les stocks, donc du coup ouais, les retours et tout, le pop and bang il est pas. C'est pas prononcé quoi. Donc ça préparé 400 chevaux, tu penses que ça peut aller même au-dessus? Ouais, bah en même temps, tu peux toujours aller au plus. Hein. Ouais, mais après, voilà, le petit inconvénient. Les turbos et tout. Ouais. Tu peux aller. Vu que c'est une traction, c'est juste ça le petit hic, on va dire. Ça sert à rien, franchement, ça sert à rien. Ouais. Au-dessus. Ouais, il y en a pas mal, j'ai déjà parlé avec certains qui ont eu 7 GTI. Allez, assez bien préparé. Pas spécialement Club Sport, on va continuer tout droit. Assez bien préparé, ils me disent le seul inconvénient, c'est que ça soit une traction, tu vois. Mais attention, ça tient très bien la route, mais c'est juste. Pour des fous comme nous, qu'on a besoin de préparer des voitures, ben ça patine. Ça patine, tu vois. C'est juste ça le petit inconvénient. Mais sinon, c'est très bien. C'est ton daily ou c'est ta voiture? Non, c'est ma voiture de week-end, ma voiture quand j'ai envie de rouler un peu. Sinon, c'est même qu'on a avec autre chose qui a rien à voir. Un petit truc. Ça, c'est la passion pure. Hein. Vraiment, je te jure, hein. C'est la passion pure. Excuse-nous, le vélo. Bah, tu vois, du fait qu'elle est en utilitaire, si je la revends dans moins d'un an, je suis pas trop perdu, tu vois, j'ai pas payé de taxes, rien, tu vois. Tout droit? Ouais, tout droit, ça, on va aller tranquille si là. Si je la vends bien, moi je perdrai quasi pas en fait. Ouais. Et après, la prochaine. Donc. T'es vraiment fou. Oh my god. Donc, t'es sûr de toi, RS3 quoi, la prochaine? Ou à 45, je sais pas encore. À 45. À nouvelle, hein. T'es à 45S. À l'intérieur. Ouais.
L'intérieur c'est quelque chose, mais c'est le prix le problème. En vrai, j'achèterais que pour l'intérieur. D'accord. Ouais, c'est ce qui manque dans ce genre de voiture, c'est un peu ouais. Des lumières un peu et tout, tu vois. Et la A35, ça te dit rien? Parce qu'à 35, attention, c'est l'intérieur, c'est très beau. Ouais, c'est pareil. Mais la 35, le problème c'est qu'il n'y a pas le 4matic plus, donc c'est pas passé en mode drift. Ouais. Voilà, tu vois. Il y a des petits trucs qui changent, donc. Pour prendre une nouvelle voiture, je prends directement. La 45S, moi sincèrement, allez, je sais pas. Faut voir d'ici un an les prix comment vont évoluer. Mais pour l'instant, voilà, elle est fort. Ah, elle est très chère. C'est cher quand même. Ouais, en même temps, elle est nouvelle. Hein. Ouais, exactement. C'est voilà. 2019. C'est encore neuf. Bon, là, c'est très efficace. Hein. 421 chevaux, ouais, les gars. C'est vraiment très efficace. Hein. Et ce qu'ils ont, enfin, c'est où qu'ils ont tapé fort, tu trouves? C'est où qu'ils ont tapé fort? Ben, c'est tout simplement au niveau des premières vitesses. Donc, j'avais vu par exemple des vidéos là où ils font des comparaisons par rapport par exemple aux RS3. Ben, au niveau des, par exemple, à un départ, une A45S et une RS3, dans les premières vitesses, c'est là où ils ont été forts, tu vois. Ouais. Les premières vitesses, ça veut dire première, deuxième, troisième, ben, tu vois que la vitesse, ça monte très fort et ça passe très vite, tu vois. C'est vraiment très réactif. Parce que. Mais d'un côté aussi, je pense que l'automobile, maintenant, après, c'est que mon avis, tu vois. Peut-être d'autres vont penser autrement, mais je pense que les constructeurs vont plus se concentrer sur un plaisir, peut-être petite accélération, pas obligatoirement une grosse vitesse de pointe. Tu vois ce que je veux dire? Mais l'intérieur aussi, ça joue vraiment beaucoup maintenant. Bien sûr, l'intérieur, ça joue beaucoup. Hein. T'as vu tout le buzz qu'ils ont fait avec leur intérieur, Mercedes? Ouais, exactement. Bah, franchement, il y en a. Dès que c'est sorti, on va remonter par là. Dès que c'est sorti, bah, ça a fait du buzz. Hein. Même la classe A, tu vois, avec des petits moteurs. Bien sûr, tout, bien se sûr. Beaucoup pour l'intérieur. Bien si. Sûr, ouais, juste ici. Bien sûr, ça. Il y a trop de flash. Ça se vend très bien. Bon, allez, ouais, tranquille. Ben, tranquille, on a déjà assez. On a assez bien roulé de toute façon. Ben voilà, les gars. Les gars, j'espère tout simplement que cette vidéo vous aura plu. Je te remercie, frérot, d'être passé. Merci à toi, frérot de Charles. Ouais, frère, vraiment, ça fait plaisir. Ça fait plaisir qu'on puisse se voir, on va dire, et qu'on. Enfin, qu'on puisse partager un peu cette passion partout en Belgique, partout même, il y en a même de France et tout ça. Hein. L'automobile, les gars, c'est partout et c'est ça qui fait plaisir justement. Donc les gars, pour ceux qui veulent présenter leur voiture, c'est sur mon Instagram, Bruxelles Spot. Donc vous venez me voir, on s'organisera pour faire ça. Sur Instagram, je l'ai affiché tout à l'heure, donc c'est Nathan Barnsou 7GTI. Voilà, Nathan-du-bas 7GTI, de toute façon je vais l'écrire. Et voilà les gars, si vous avez peut-être des questions, peut-être si vous êtes intéressé par un club sport, voilà. Vu qu'il en a une, deux, trois petits conseils, ou bien juste au niveau de la prépa ou quoi. On va envoyer un message. Hein. Voilà. Donc, pour la prochaine, frérot, t'es là. Déjà, si je la passe en stage 2, je reviendrai. Ouais, si la passe en stage 2. Donc, voilà. Donc, les gars, maximum de j'aime. Comme ça, il repasse pour la stage 2. Et vous allez voir un peu la différence. Déjà, là, comme j'ai dit, hein, quand il y a l'overboost, ça marche pas. Ouais, on sent, on sent. Ouais, sincèrement, quand il y a l'overboost. Pourtant, des 7 GTI, maintenant, malheureusement, les d'origine, j'ai dit, ça. En côte, enfin voilà, ça perd très fort. Les 7 de base, elles ont vraiment décoté. Hein. Ouais, elles ont décoté. Plus rien, hein, quasiment. Exactement. Ça a décoté, mais bon, après, t'es pas sur la même puissance. Hein. Non, t'es pas sur le même nombre de chevaux. Une basique, c'est 220. Quand t'as le pas de performance, c'est 230. Mm-hmm. Ici, t'as 265 avec 290 en overboost. Voilà. C'est pas pareil. Quoi. Mais justement, enfin là, sincèrement, pour ceux qui, allez, je dirais, hésitent par rapport, enfin, pour une TCR, sincèrement, ça marche vraiment bien. Ouais. Quand l'overboost il charge, ça marche bien. En plus, là, elle se rapproche pas. Donc, on pourra voir aussi la différence. Voilà les gars, donc restez connectés. Ça va pas arriver tout de suite, hein, d'ici on a encore du temps devant nous. En attendant les gars, vous allez trouver les autres présentations qui arriveront. Et voilà les gars, mettez un j'aime, un maximum de j'aime les gars, partagez, dites-moi un peu en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouvera pour une prochaine présentation. Ciao.